Bonjour et bienvenue dans une nouvelle partie de ce Let's Play en live sur Little Miss Fortune qui se enfin, ce jeu, je m'attendais pas tellement à ça, je savais que ça allait toucher des sujets un petit peu lourds, sous un ton un peu rigolo, naïf, tout ça, mais... Putain, moi ce qui me touche le plus depuis le début, c'est justement sa naïveté à elle. Ah, je te jure, ça me tue. Et du coup, là, on était parti à la recherche du bonheur éternel, enterré dans un cimetière, on a récupéré la boîte. La boîte a été... Enfin, le contenu de la boîte a été volé par le fox. Le fox, je suis persuadé qu'il est gentil et que, vraiment, c'est un piège du narrateur. Enfin, ça paraît évident pour tout le monde. Et du coup, on est à la recherche du fox. Et on a posé notre troisième galette, je crois. Et c'est reparti. Et remarquez qu'on va dans l'autre sens. Prend sa retraite suite à un incident. Mon fils a disparu. Invasion d'oiseaux. On n'a pas gagné, mais on s'est éclaté. 93. Mon fils a disparu. Donc là, moi, il y a vraiment cette histoire d'espèce de démon qui récupère des vies d'enfants, quoi. Il y a vraiment ce délire, je pense. Puis de jeu, on l'a vu la dernière fois, le jeu pour guider les âmes aux enfers, enfin un truc comme ça. Let's see what's new. Hide your children, oui. Oh, the zoo, you know, with the animals. Et ben voilà où il pourrait être le... I actually made a quick Google search. I found out the fox has a cousin in the zoo. Oh, really? We could go and see if he knows where the fox lives. But how do we get to the zoo? It's like really far away. Why, we take the bus, of course. There should be a bus stop nearby. Ah, okay. Oui, il a utilisé Google en 93, mais c'est le narrateur, il fait ce qu'il veut. Ah, regardez le sac, là. Huh, how did I get to the town center? I carried you here. But how? You're just a voice in my head. Just a voice? No, I can do more than that, you know. Prove it. I don't need to prove anything to you. Whatever you say, Mr. Voice. Fine. You really want to see what I can do? Wait, my shoelace. There. Did you see? I'm not just a voice in your head, Miss Fortune. What? Did you see? I'm sorry, I had a shoelace problem. Oh, let's just keep going then. Elle n'a rien à faire. Bon, le narrateur, encore une fois, montre qu'il a l'air vraiment bizarre. J'ai vu quelqu'un demander de revoir le journal. On peut aller checker vite fait. Pour voir la maison. Je sais pas si vous reconnaissez, c'est pas la maison du début ça, je sais pas si on est censé reconnaître, mais je sais pas, quelqu'un a demandé ça tout à l'heure. J'ai cru voir une autre affiche d'enfant disparu. Ah, la maison qui s'est pris un éclair au tout début. Hey, you look familiar. D'accord. What? Effectivement, dans l'intro, là où il y avait la musique un peu rock, il y avait une maison qui s'est pris un éclair. Peut-être que c'était celle-ci. Et encore un fantôme, du coup, d'un enfant disparu. Ah, those people in the picture look so happy drinking their eels. Mommy brings me here all the time. It's really boring. Sometimes she sends me to buy cigarettes while she hugs strangers by the dumpster. Is that so? Oh. Mm-hmm. Whoa. Ok. Donc là, c'est le magasin de jus, hein. Bon, la mère. Bref. Continuons.
Le monsieur derrière faisait peur, ouais. Est-ce que... Ouais, non, je sais pas. Est-ce que c'est la mère qui a posé... Enfin non, c'est vraiment leur couple, quoi. Il y a vraiment un problème, hein. Enfance difficile, ouais. That man just dropped his wallet. What do you want to do? Eh ben, fallait pas le laisser tomber. Qui fait tomber son portefeuille comme ça, franchement? J'aime pas ce choix. J'aime pas ce choix parce que c'est vraiment le truc trop facile, tu vois, genre... Oh, le rendre, on est des gentilles personnes. Je le vole. I'm gonna take it for me. C'est bon, quoi. One time mommy took me here and forgot me. I got to play inside all night until a security man found me. Oh, he thought I was a raccoon. Well, that sounds like it was a fun night for you. Yeah, except for me crying a lot, but it was fun. Elle a passé la nuit dans le magasin. Les paillettes. Open it. All right. I'm doing it. There's just a picture inside. Really? Can I see? Mm-hmm. It must be his kid. What do you think? Sure, why not? I knew it. I'm such a clever little lady. Alors, est-ce que ça va nous servir? Je ne sais pas. Peut-être des... Ah, les paillettes. Il y avait peut-être quelques petites pièces. Quelqu'un parlait de prendre le bus pour rentrer, ouais. Oh là là, ça y est. Excusez-moi. Faut que je me mouche. Faut que je me mouche. Ça y est, je suis malade, c'est fini. C'est la fin. Ça va mieux. Allergique aux paillettes, ouais, c'est ça. Toujours ces adultes avec leurs masques. Ah, puis ils sont creepy. Happy face. Pour ne pas voir les problèmes du monde. It says, let's face it. Sometimes we're just too tired to smile. Use happy face and stop pretending. Okay. I know who owns this store. Who is it? Casey's dad. Who's Casey? A friend from school. Haven't seen him for a while though. Il y avait aussi la petite fille qui s'est flinguée au tout début. Enfin, qui a flingué ses parents. À mon avis, elle est dead aussi, mais... Et puis là, celle-là a disparu aussi. Enfin bref, on est toujours dans le même thème. Ah bah tiens. Oh, mais il y en a une tonne! Mais il n'y a pas quelqu'un qui s'inquiète? Non, enfin, je sais pas. Look, even more missing children posters. So many. I wonder what they're missing. Oh, don't you worry about them. I'm sure they will all turn up one day. You think so? Of course. I don't know, Mr. Voice. This is starting to smell mysterious. Ça n'inquiète pas plus que ça, la population, quand même. Bon, il y a 43 enfants qui sont morts ou disparus. Écoutez, ça arrive, hein. On travaille dessus. Si j'ai la moindre information, croyez bien que ce serait les premiers informés. Here we are. Have you ever taken the bus all by yourself before? Ah bah tiens, on prend le bus. No, I haven't. I'm not sure what to do. Do I need a ticket? Let's find out. There's an information board. Ah, look, we have to wait 2 minutes. Yikes forever. I can't wait to meet Benjamin's cousin at the zoo. I'm gonna tell how badly Benjamin behaved, and that Benjamin should be ashamed. That sounds great. Il y avait le petit garçon du gars du portefeuille. J'ai pas fait attention, j'ai pas la reconnaissance des visages.
It says that all children under 15 years old can ride the bus for free. I'm 8, so I'm good. Great. Now that I think about it, maybe you'll need a bus ticket. You sound old. I'm definitely older, but nobody can see me. Okay. Are you like 20? Yes, more or less. Il a 666 ans, ouais. Satan. Should I sit down and wait? Do as you please. Okay, thank you. Attends. Check this out. That street is called Dickens Road. Got it? Dickens Road. Dick. Misfortune. Ok. Évidemment. Hey, hello? Why did you take me to the sky with your friends? So you know, because of you, I can make to the party. Oh, ok. Oh là là, pas la peine de s'énerver. Je pensais qu'on pourrait mettre des paillettes. Ah, il y a un problème avec tout... Oh non, j'ai... Oh non, j'ai d'un coup une vieille peur. J'allais vous dire, elle a clairement un problème avec tout ce qui est appareil génital masculin. Et vous avez pas une horrible crainte d'un coup? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? I'll sit. I'm a bit tired from all the walking, you know. I can imagine. You have very small feet. Yes, I'm a little lady. That's what I am. Check those old ladies out. They're a little scary, don't you think? Honestly, I've seen worse. Really? Yes. You know, my mommy also uses that same mask. She likes to hide her smile and tears behind it. Would you like to have a mask like that? Maybe. I don't know. The bus is here. Love yourself. Get happy face. Bon, sa mère a du coup un masque pour pas... This bus trip masquer, might quoi, hein. Take a while. Are you okay with that? It's okay. Hiro is keeping me company. Who is Hiro? He's my friend from Japan. He's a ghost, you know. He's always saying, Kiri wa doko desu ka? You're really funny, Miss Fortune. There is no such thing as ghosts. Kiri wa doko desu ka? Hey, Miss Fortune, look. There's a bunch of cows on the field. Oh, I love cows. So cute. Merde, j'ai passé son dialogue. Ew, that's a little bull crap. Run for your life, little baby cow. Ok. Unlucky things seem to happen all the time. Nästa djurparken. I think we're getting close to the zoo now. Ok, great. Le caca des bêtes. Ah mon dieu, oui. Wow, here we are. I can't wait to go inside. You have the ticket, right? What ticket? Oh, didn't I give you a ticket earlier? What? No, you didn't. Oh dear, I'm sorry. I totally forgot. Do you have any ideas on how to get inside? You know, without paying. I saw mommy showing her boobies to the guy in the store and she got some free food. But I haven't got any titties yet, so... That might not work. Technique qui marche well, à tous les coups. I have an idea. Tu fais pareil, hein. If we use diversion. What does diversion mean? Well, make the cashier look somewhere else, you know. Fool him. Okay, let me think what I can do. Faire diversion. A wolf. Can we pet the wolf? He looks really sweet. Just wait and see, Miss Fortune. Wait and see.
Okay, I'll wait and then I'll see. Ouais, je sais pas si le portefeuille avait des sous, hein. On peut pas fouiller les objets. Plus que ça. On va d'abord aller tout à gauche, je pense. Hello, can I get inside for free? C'est non. Ah, il demande quand même à son chef. Hein. On sait jamais. Any tickets to the zoo? Ew, yucky. No tickets, only yucky. Yucks forever. Donne-nous des sous, toi. Okay, this is breakable. Like with a rock or something. Like a stone. Mm-hmm. Hey, remember? What? Phantasmagoria. What are you talking about? Nothing. Comment on fait pour utiliser nos objets? Ah, mon dieu. Je peux même pas cliquer dessus. Si on essaye d'aller tout à droite. Attends. Les missing là, on n'a pas. Ah, huh, they know about the missing children here. Huh, they know about them. I think I came up with an idea. What if... Casser la vitre ou dire un mensonge? Je serais plutôt partant pour dire un mensonge, pour ne pas perdre la pierre au cas où plus tard on ait besoin de cette pierre. J'ai envie d'essayer ça. Tell a lie so he believes it. A lie, Miss Fortune. Are you sure you want to do this? Yes, I mean, that's the only way to get inside. Trust me. All right, let's go. Okay. On va rentrer grâce à notre éloquence. Excuse me. There's one of the missing children at the bus stop. I just saw her. You may want to go and check it out. Thank you. Yes, it worked. Non. Au secours. Il s'est barré. Je pensais qu'il retournerait là-bas et que du coup j'avais tout gâché, mais... Ok... Il est parti. Il a rage quitté. Isn't this wonderful? We'll get to see so many caged animals. Caged animals? By the way, you did a great job not getting caught by the vendor. Very impressive. Thank you. But now, we should find out where the wolf exhibit is. Why? You mean Benjamin's cousin is a wolf? Yes. Remember, he knows where the fox lives. All right. Okay, le loup. Say to me, give yourself a fuck. Oh, Miss Fortune, watch that mouth. I don't care. This bird is mean. Oh dear, we need to get your happiness back as soon as possible. La violence de la gamine. Quelle violence. Look, this bird seems pretty smart. It isn't. Trust me. Move on, Miss Fortune. Okay. Ils sont trop bien les dessins. On en reparle plus parce qu'on est dans le truc, mais depuis le début, le style est trop cool. J'ai l'impression que c'est pas trop fort pour vous. Enfin, je sais pas ce que vous entendez, mais ça devrait aller. C'est chouette, niche fréquemment à proximité des bibliothèques.
Des librairies et des coffee shops, bien qu'incroyablement intelligentes en apparence, leur mode de vie particulièrement égocentrique les pousse à accumuler d'importantes quantités d'informations inutiles. Elles vivent principalement de l'attention qu'elles parviennent à attirer. It says, owls are delicious. These owls normally hang near libraries, bookstores, and coffee shops. Although they seem incredibly smart, their huge self-centered lifestyle drives them to gather useless information. They live off attention. Funny bird. Est-ce qu'on avait le même genre de truc pour Yes. It says the nam nam parrot. This kind of parrot lives across the entire world. They talk much, but say very little. They usually work together with human pirates, natural-born thieves, founders of the Liberation Front. Huh, mean birdie nam nam. Ah, les nam nam, ouais. Je connais des nam nam, moi. Comme tu dis, ils parlent beaucoup et ils ont pas grand-chose à dire. Ah, j'en connais des comme ça. Il y en a, ils ont carrément essayé de lancer une web TV. Bah ça a un peu planté, hein. Somehow I feel offended by this bird. Don't be. It doesn't know what it's doing. Okay. Mais c'est quoi cet oiseau là? Débilus. Mon Dieu. It says, "Fuckedilius, this shit eels. These birds multiply at a very high rate with different partners, leaving behind dysfunctional offspring. They don't care about anything as long as they are occupied by mindless entertainment. Oh, really?" Rien n'a d'importance à leurs yeux tant que leur esprit est occupé par des divertissements abrutissants. Ah, j'ai des blagues qui me viennent, j'ai vraiment des blagues. Ah, faut se retenir, on n'est pas là pour parler de quelconque chose. C'est les piafs de Bob Lennon, oui. L'oiseau de Dame Dame, il fait des fucks partout. Mon Dieu. Voler des graines pour oiseaux? Ouais. I'll take the seeds because I want to feed the birds so they're not hungry. On va dire que ça peut me servir pour plus tard. Non. La petite pique sur le live, vous savez, c'est juste pour rigoler. C'est pas... Ok. What? So much to see and do. Find the wolf area, so we know where to go. I think the zoo is about to close. There, you see? That's the wolfie. Great job. Let's hurry up now. You know, I'm feeling really annoyed, like a lot. What's happening to me? I smell hormones waking up inside you. What? Comos? No, hormones. Ah, okay, what's that? Your body's preparing to create life inside you. You'll get a lot of new feelings that are completely normal. Ah, okay. And you'll bleed for 3 to 5 days from your vagina. Ew, yikes, forever. You will also suffer each month for many, many years. And society will treat you like garbage. Are you for real? Yes, I am. I think I need some emergency glitter. so much better. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tellement dit de manière comme ça là. Allez. There are coins at the bottom of the fountain. Yes,
Those are people's wishes. Can one pay for wishes? People nowadays think they can buy everything with money. I wish I could throw a coin and ask for my happiness back. Also that Benjamin transform into a good foxy, because I would totally go out on a date with him, if he was good. Are you done here, Miss Fortune? Yeah. Merveilleux. Cela me réchauffe le cœur. I wish I could write Japanese, so I could send a cute postcard to my friend Hiro. But where does a ghost live? Stop lying, Miss Fortune. Ghosts are not real. You're just jealous because you don't have a ghost friend. Look at those sweet blushes. They could be all my babies. Don't get too attached to those toys. Don't worry, I'm just looking. Je me méfie parce que le moindre peluche peut être sujet à l'explication de comment on fait les enfants, hein, vu comment c'est balancé comme ça. This looks like the way to the wolf. Yes, let's go then. Oh my. Looks like this area is closed to the public. Ah, damn it. You will have to sneak past the janitor to get to the other side. Don't let her see you. Otherwise, she will lock you in and call your mommy. Don't worry. I'm like a sweet little ninja. I could hide behind those boxes, right? Great idea. Hide behind a box until she turns her back to you. All right, I'm ready. Let's do this. Okay, on va se planquer. Look, the bear in the picture is sucking a popsicle. It looks like it's strawberry flavored. Yummy. C'est pas possible à chaque fois. Little ninja lady. Ah bah oui. Well done, Miss Fortune. Now, wait for her to turn her back to you and... And then kill her from behind? What? No. Why? That's what the ninjas do in movies. I've seen, like, all of them. Don't tell mommy. Well, this isn't a movie, so just do as I say. When she turns around, you can jump out and keep moving. All right then. It just looked a lot cooler on TV. Bon Dieu, mais quelle gourde! The Shadow Ninja Master, she never saw me. Don't celebrate just yet. There's one more box you have to sneak past. You better watch me when I nail this one. Ah, il a une tête de corbeau. Oh mais gars, c'est pas possible quoi. I made it. Little ninja lady is the best. Well done. Thank you. J'ai eu un trophée Lady Ninjette. Qu'est-ce qui se passe si te voit? Bah, bonne question. Sûrement quelque chose de spécial puisque j'ai un trophée, donc ça veut dire que j'ai réussi. Il doit se passer quelque chose, ouais. Attends. We're getting pretty close. Ok. Oh oh! This one looks like the other one that didn't look like the other ones. You see? Yes. So you know? Yes. Oh look, it fits! The path to Sanar City is twisted by the malevolent games from the beyond. What? A path? Twisted to where? Don't pay any attention to these silly rocks. Qu'est-ce que ça veut dire ça là? The path to Sanar City is twisted
by the malevolent games from Beverly Encore une histoire de jeu. Don't pay any attention. C'est quoi? Oh, je récupère la pierre. Hein. On a besoin de l'expert en légende suédoise, là. Où est l'experte? Je sais pas. Petite recherche Google, là, ça représente quoi? Une ref à Franbo. Ah! Alors, je vous rappelle, si jamais vous arrivez entre-temps, que c'est... ce jeu est fait par les mêmes développeurs qu'un autre jeu qui s'appelle Franbo. Apparemment, c'est pas spécialement la suite directe, mais il y a des références. Donc peut-être que c'est ça. Ne fais pas attention à ces écritures sataniques d'un rouge luisant que tu peux lire à 8 ans, effectivement. pas gaffe. C'est inhérent à l'univers du jeu. Ouais, c'est pas un vrai truc, ça doit être dans Franbo, ouais, d'après Lady Cassidy. J'ai pas la ref. Peut-être qu'on devrait faire Franbo un jour, hein. Si c'est un peu pareil. Ce serait la zone de la mort dans Franbo, ok. Bon, c'est toujours en lien avec tout ce qu'on a vu, hein, de toute façon, c'est cohérent. Here we are, and nobody saw us coming. You really proved your ninja skills back there, Miss Fortune. But I'm pretty sure I was the best at hiding back there. No, that doesn't count. You're not a little lady like me. You're just a boy. Oh, you'll see. I'm much, much more than that. However, now you should go and meet the wolf. Got it. Meet the wolf, maybe pet it, and get Benjamin's address like a ninja. Mademoiselle, je clique. Okay. It says Canis Lupus, also known as the Big Bad Wolf. His favorite snack is red-hooded little girls. That's silly. Remember the missing children? Mm-hmm. Maybe he's behind it all. You think he's eating the children? Mais il est en cage. Comment tu veux que ce soit ça? You're right. We should call the cops on him. No, we don't want to get involved with the police. Ah, okay. Look, there's a note. It must say where the fox lives. We need to take it. I can't reach it from here. We need to find a key to open the cage. I'll find that key. You oui, d'accord. Il nous faut la clé. Il y a écrit Love Yourself hein, sur le bas. Hello. Are you Benjamin's cousin? You know, that fluffy fox with the most dearest big blue eyes. No? I don't know anyone called Johnny. Who's that? I'm talking about Benjamin. He's this sweet-looking fox that ended up stealing my happiness. I'm not that into him anymore. Maybe you should stop talking to him and find a way inside the cage, Miss Fortune. All right. I'll be back, Wolf, and we'll sort this out about Benjamin. Il va pas répondre, le loup. Think there could be a key in there? I don't know. Let's go and see. Quietly. Like a little ninja, got it. Like little lady misfortune, the ninja lady. Yes. Little ninja lady has entered the room. We need to find a key now. I told you already. I'll find it, you'll see. Watch and learn how to find a key. Très bien, on va trouver la clé, mais je vous propose de trouver la clé dans la prochaine partie parce qu'on arrive à la fin de ce chrono. Bien, ben, on a été élu la super ninjette. On avance, hein, on cherche l'adresse du renard, je pense qu'on va la trouver dans l'épisode prochain et peut-être avoir une révélation. Oh, il y a un coffre avec un espèce de gros cadenas là. Très bien, tout cela a l'air de bien se passer. Hein. Il y a des stèles qui disent qu'il y a quelque chose de démoniaque. Enfin, tout se passe très bien, des enfants disparus par centaines. Enfin, tout va bien, tout va bien. Tout va très bien.
Merci d'avoir suivi cette partie. Je vous retrouve dans la prochaine ou dans les commentaires de celle-ci. Et puis, concernant cette petite pique pour le live, hein, si jamais vous avez suivi ce truc, enfin, je crois qu'on s'en fout, en fait. Hein. Je faisais une blague parce que... Parce que j'aime bien tirer dans les ambulances. Voilà. Mais... que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, vous savez... je m'en tamponne. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire et c'est tout ce que je dirais à ce sujet. Bye, YouTube.